Chaleur à Montréal, je sais que c'est pareil en France, donc j'ai pas pu terminer la vidéo parce que ce jour-là il faisait extrêmement chaud. Donc je termine cette vidéo après je sais pas combien de jours j'ai cette coiffure. Enfin bref, donc j'ai fini avec tout simplement un afro parce que c'est assez difficile d'avoir de la définition avec un twist-out, braids-out vu cette chaleur et cette humidité. Donc le bruit que vous entendez, c'est le ventilo, hein, on essaie de survivre comme on peut. Et voilà, et le bruit que vous entendez du fond, c'est mon fils, la garderie est fermée. Donc je l'ai avec moi toute la journée, je m'apprête à sortir avec mon petit loup. Donc je voulais quand même montrer le rendu final. Donc la vidéo a coupé. Il y a mon fiston qui va faire le bordel, bon c'est pas grave. Donc la vidéo a coupé, le temps de sortir, se promener et revenir, la batterie se charge. Nous voilà, voici le résultat final. Et bon, la coiffure est un peu moisie parce que ça fait plusieurs jours que je l'ai fait. Donc voilà. Alors pour ces parties-là, j'ai tout simplement vanillé, fait une vanille plate que j'ai tout simplement après assemblée. Cette partie a été attachée à celle-ci et l'autre comme ça. Et voilà un petit peu ce que j'ai fait au niveau de devant. Il va claquer la porte. Donc voilà. Le braids out, bah il n'y a plus de braids out. Il n'y a plus de braids out vu que la chaleur, l'humidité, on est sorti, j'ai transpiré, tout est parti. Mais il y a le volume, donc c'est ce que moi je préfère le plus, le volume. Et voilà. Donc j'espère que cette coiffure va vous faire plaisir et que ça va vous donner des idées pour l'été. Et voilà, sur ces petits mots, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Dis au revoir, Lolo. Oui.